Ça laisse sans voix. Quand vous m'avez envoyé ces vidéos, les premières fois que je les ai vues, bah, je suis restée sans voix. Vraiment. Qu'est-ce que vous avez comme réaction à ça? Je pense qu'on a atteint un niveau de connerie humaine auquel je ne m'attendais guère. Vous me taguez énormément sur Instagram et sur TikTok pour m'envoyer du coup des vidéos qui font mal au cœur pour que j'en parle. Mais alors celles-ci, elles atteignent un niveau. Et ça a l'air d'être une nouvelle mode parce que c'est vraiment un thème de vidéo que vous m'envoyez beaucoup en ce moment, que je reçois beaucoup en ce moment et qu'on voyait pas avant. Ce sont généralement des vidéos étrangères, hein. J'ai pas encore vu de vidéos francophones. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, quand je vois ça, des enfants, des adultes sur des poulains, je ne sais même plus quoi dire. Ça me sidère tellement que je ne sais même plus quoi dire. Ça n'a aucun sens. Je trouve déjà, personnellement, que débourrer un poulain de 3 ans, c'est bien trop tôt. Ne parlons pas du milieu des courses où des fois ils sont montés à 1 an, au mieux 2 ans. On va pas parler de ça. Mais déjà, dans le milieu classique, je trouve que c'est beaucoup trop tôt de les débourrer à 3 ans et de les emmener en concours tous les week-ends à 4 ans. C'est un avis personnel, qu'on partage ou non. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Même si on doit s'adapter à chaque cheval et que chaque cheval n'a pas les mêmes besoins, n'a pas le même corps, etc. Pour moi, avant 5 ans, c'est trop tôt. Mais c'est un avis personnel et effectivement, on peut s'adapter à chaque chevaux. Il y a des chevaux où on va pouvoir faire plus tôt, d'autres plus tard, d'autres qui mentalement n'auront aucun problème, d'autres qui mentalement, même plus tard, ce sera très compliqué pour eux, voire n'accepteront jamais proprement un cavalier sur le dos. Parce que rien n'impose qu'on leur monte sur le dos. Je sais qu'on me trouvera radical et extrémiste quand je dis ça, mais c'est l'humain qui a décidé de leur monter sur le dos. Ils n'ont pas été créés pour que nous leur montions dessus. Mais c'est un autre débat, et moi-même je le fais de temps en temps, donc c'est un autre débat. Mais là, on est sur des bébés, mais des vrais bébés, hein, parce que quand je dis qu'à 3 ans c'est des bébés, il y en a, mais 3 ans c'est plus des bébés, bon. Là, on est sur des vrais bébés. Là, personne ne va me contredire. On est bien d'accord. Nous sommes tous d'accord que là, ce sont des bébés. Des vrais bébés. Là, c'est pas possible. On peut pas me contredire là-dessus. Mais vous imaginez le traumatisme. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête de ces animaux, ce qu'ils pensent de nous. Tous, hein, ils font pas de distinction, hein. Ils prennent les humains et je pense qu'on est tous dans le même panier, hein. Vous imaginez un peu ce qui se passe dans leur tête? Oui, tu fais de l'anthropomorphisme. Non, 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 les animaux aussi ont des sentiments. Les animaux aussi ressentent des choses. Hein. Ce ne sont pas des tables. Et là, on a des chevaux qui, ben, ils vont être mentalement fracassés. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Ils vont être mentalement fracassés. Encore et encore et encore jusqu'à les éteindre. Je pense que le but, c'est de les éteindre. Parce que quand tu es capable de faire ça à un poulain, j'ose pas imaginer ce que tu fais aux parents. Et à un moment donné, bah, le cheval, c'est ce que tu voulais. C'est une table. T'es content. T'as ta table, ton vélo, et tu peux monter dessus. Et ça dit plus rien. Et ça fait tout ce que tu lui demandes. Il n'y a plus personne là-haut. C'est complètement mort. C'est complètement éteint. Alors, je suppose qu'il y a des gens qui veulent des chevaux comme ça, hein. Je pense que c'est ce que beaucoup de personnes veulent, hein. Des chevaux éteints qui écoutent bien, qui obéissent bien et voilà, où il n'y a rien à redire. Mais est-ce que c'est bien de vouloir des chevaux lobotomisés, des robots? Est-ce que c'est pas de la maltraitance d'éteindre à ce point-là des animaux, de les condamner mentalement à ce point-là? Parce que là, si on commence déjà à faire ça sur des poulains, mais les adultes, ils se prennent quoi, quoi? Je suis sciée. Je suis sciée par ces images. Et le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle mode parce que on en voit plein. C'est en train de vraiment arriver et vous me taguez sur ces images. Je reçois plein et plein de nouvelles parce que des fois, vous ne faites pas attention dans les commentaires et vous êtes plusieurs à me taguer sur la même vidéo. Mais c'est des nouvelles. Il y en a des nouvelles et des nouvelles. Et donc, bah là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté? Bah déjà, pas les regarder, pas les aimer. Et on signale.
On boycotte, on signale. On signale TikTok, on signale Instagram. À chaque fois, sur chaque vidéo, vous avez un bouton pour signaler. On signale que c'est de la maltraitance. On signale que c'est... Oui, que c'est de la maltraitance, que c'est de la violence. Faut signaler, il faut que ça dégage. Faut que toutes ces vidéos dégagent. Parce que là, il y a plein de j'aime dessus. Il y a plein de j'aime sur ces vidéos. Du coup, bah, comme il y a plein de j'aime... Et bah TikTok se dit, oh, c'est une vidéo qui plaît, on va la montrer. Donc il la montre et il la montre encore et il y a énormément de vues. Et s'il y a énormément de vues, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces gens-là touchent de l'argent puisque TikTok, tu es rémunéré, pas pour tous les pays, je sais que nous, la Belgique, on n'y a pas le droit, mais il y a beaucoup de pays qui touchent de l'argent. Et donc les mecs, techniquement, on les paie pour torturer des poulains. Et ça, c'est pas possible. Donc, on signale. Violence, maltraitance, pour que les vidéos soient strike, pour que les vidéos soient supprimées et qu'ils ne touchent rien. Et quand ils verront que leurs vidéos sont supprimées, qu'ils ne touchent plus rien et qu'on n'a plus envie de voir ça, ils passeront à autre chose. Bon, je sais pas si ça sera positif sur ce quoi ils passeront et je sais pas si chez eux ils continueront leurs conneries, mais au moins on ne montrera pas à nos générations à nous, à nos jeunes cavalières et nos jeunes cavaliers à nous que ça existe. Il faut vraiment dire que oui, malheureusement, ça existe, mais c'est mal, il faut le supprimer, il faut enlever tout ça, et c'est pas comme ça qu'on fait. Ça fait un moment que je dénonce de la maltraitance, je peux pas m'empêcher de le faire. Quand je vois des vidéos comme ça, je peux pas fermer ma gueule, je suis désolée, je ne peux pas. Et j'ai toujours des commentaires qui disent que j'exagère, que c'est pas vrai. Deux fois, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer qu'on ne monte pas sur un Shetland quand on n'est plus un petit enfant. Mais non, il n'y a rien à faire. J'ai toujours des commentaires qui me disent que c'est pas vrai. Moi, je fais 35 kilos, je monte sur mes Shetland, ils sont contents. Voilà, on dit toujours que c'est pas vrai. Vous allez trouver quoi, là, comme argument pour dire qu'on peut monter sur des bébés? Parce que là, le poulain, là, avec l'enfant sur le dos, le poulain, il a 5-6 mois. Hein. Il n'est pas sevré. Hein. Quand je dis 6 mois, à mon avis, 4-5 mois même. Hein. C'est un petit bébé. Vous allez trouver quoi, là, comme argument pour dire que c'est pas grave, tu exagères? Aidez-moi à faire supprimer ces vidéos. Vraiment, aidez-moi. Vous pouvez continuer à me taguer dessus parce que voilà, j'essaie au moins d'envoyer des messages, j'essaie au moins de faire comprendre que non, on ne fait pas ça. J'espère que j'aide à ce que les mentalités changent, j'espère que j'aide à envoyer des messages positifs et à faire réfléchir certaines personnes qui peut-être n'avaient pas l'entourage qui leur permettait de le faire. Bon, je doute que, oh, vraiment, je pense qu'aucun de vous, mes chers abonnés, n'ait fait un truc aussi horrible. Ça, je n'en doute pas un instant, je sais que personne n'a jamais fait ça. Mais du coup... Là, le message, c'est pas ne faites pas ça, parce qu'on s'en doute qu'il faut pas faire ça. Le message, c'est faut que ça soit supprimé, faut que ça dégage, faut que ça dégage des réseaux. Désolé, il y a un chat qui gratte de sa litière. Faut que ça dégage. Donc là, c'est aidez-moi à ce que ça dégage. Vraiment, là, on y va. Quand on tombe ce genre de vidéo, on prévient, on appuie sur, on cherche dans les petits trucs sur le côté pour trouver, signaler. On signale de la violence, et si tout le monde le fait. Ça va, ils vont finir par se dire, ah oui, ok, ça c'est pas cool. Bon bah les gens sont pas contents, on supprime alors. Que les personnes qui postent ces vidéos ne gagnent surtout pas d'argent. Parce que si en plus de tuer mentalement des animaux, voire physiquement, parce qu'à un moment donné, il y a des dos qui doivent lâcher, si en plus ils touchent de l'argent pour ça, mais on va où quoi? Où va ce monde? Il va très très mal parfois, hein. C'est flippant. Hein. Donc non, c'est pas drôle, on signale en masse, on fait dégager ces vidéos en masse. Et c'est vraiment le message que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas une mode intelligente, c'est d'une débilité profonde. On massacre mentalement et physiquement des animaux qui n'ont rien demandé, des bébés. On ferait un dixième de ça à un enfant. Il y aurait eu des polémiques monstrueuses et ça aurait fait un bruit de dingue. Là, c'est des animaux, on s'en balèque. Bah, moi, je m'en fous pas. Et voilà, s'il vous plaît, aidez-moi vraiment à enlever ces vidéos. Aidez-moi à ce que ça s'en aille. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Je pense que pour une fois, personne ne va me contredire. J'espère, sinon je vais avoir vraiment très très peur. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour des vidéos beaucoup plus agréables et beaucoup plus mignonnes que ça.
c'est pas dur.